Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais une idée. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Cette séance a été bonne par rapport à la semaine dernière. La semaine prochaine, nous ferons du javelot. Silence. Je dis silence, s'il vous plaît. La semaine prochaine, nous ferons du javelot. C'est entendu? Voilà. Allez, rompez. Nafissatou, tu m'attends, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. À propos, revenez. Voilà, j'oubliais quelque chose. Vous savez que le bac est l'un des examens les plus importants du cursus scolaire. Et à ce titre, je vous demande de faire tout possible pour l'obtenir. Vous comprenez? Oui, allô? C'est qui? Oh, mon petit cœur! Oui, ça va un peu, c'est le moment. Oui. Ce soir? Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il peut venir avec ma copine Charlotte? Merci beaucoup. Ok. Quel resto? Oh oui, éclat. Oui, je vois. Ok. Il n'y a pas de problème. À ce soir, alors. Oui. Allez, bisous à toi. Je te retrouve enfin, toi! Ouais, Bejo! Mais j'étais chez toi, on m'a dit que je pourrais te trouver ici! Mais attends, c'est toi? Mais tu es tout excité en quoi? Hyacinthe! Oui. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre! Attends, tu as gagné le jackpot? C'est plus que le jackpot! Quoi, sa mère? Vas-y! J'ai retrouvé la femme de ma vie! Toi, Bejo? Oui! La femme de ta vie? Non, attends, calme-toi! C'est bon? Je suis calme! Ok! Vas-y, raconte! Eh Dieu! Oui, je... Nafissatou, ma copine d'enfance, je t'en parlais souvent, tu t'en souviens? Je me souviens de Nafissatou, ouais. Je l'ai retrouvée ce matin. Tu l'as retrouvée? Oui. Mais où? Dans un cyber. Non, ça a l'air d'être un canon. Hein. Oh, c'est la plus belle femme que j'ai jamais connue. Tu ne peux pas comprendre. Elle ferait jaillir des jets d'eau dans un désert. Là, je vois venir, là. Écoute, va me la présenter. Là. Très bientôt. Il faut me la présenter. Non, bientôt, mon ami, tu la verras. Elle a pris mon numéro, elle doit m'appeler, on doit se voir samedi. Tu la verras. Non, y'a pas de problème. Et tu. C'est que. Hé, ils ont fait la cour, hein. Oui, ils ont pas fait. Et viens ici. Viens ici. Où tu vas? Je veux pas que les gens nous voient ensemble à Boulogne. Non, j'ai dit, c'est toi que je t'aime, que j'aime. C'est toi que je veux. Où tu as laissé Léa? Mais ça, Léa, ça coûte des connaissances. Qu'elle a avec moi, je vais la renvoyer. Je l'aime pas. Je te dis, c'est toi que je veux. Ah oui, laisse-moi partir. Il y a quelqu'un qui arrive. Attends, je te dis, on se retrouve le soir au même endroit. Tu as compris? J'ai un cadeau. Chapeau.
Hey, ils ont peur partout. Léa, ils ont peur chez nous aussi. Pour moi, je m'en vais à la maison. C'est bien. Va rejoindre de nombreuses femmes. La petite fille, la bouche d'air. Hey, Tomaté. Touré, oui. J'ai dit quoi de mal? Rien. Je t'ai dit simplement d'aller rejoindre de nombreuses femmes. C'est ce qui te fait mal? Tomaté, je t'ai dit ce matin que tu vas courir après moi. Tu vas courir après Touré. J'ai compris. C'est promis. Touré. Oui. Bon, Manou. Tu vas à la maison maintenant? Oh, oui. Il y a quoi là-bas? J'ai demandé qu'on me fasse la peinture. À la maison là-bas? Oui, oui, oui. Ah bon? Je m'en vais. Okay, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Madame, on va te demander quelque chose. Ah, d'accord, viens. Allez, rompez. Merci, bye, monsieur. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Bien, écoute, Nafissatou. Trouve-toi une tenue correcte et une paire de chaussures décentes pour la gymnastique. Et ce n'est pas. Monsieur, ce ne sera pas évident. Ce n'est pas évident, hein? Comment ça? Les parents n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens? Oui, monsieur. Bon, tu essaies d'en parler à ton père. S'il te refuse, tu viens me voir. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Monsieur, vous faites ça pour moi? Oui, je verrai ce que mais je peux faire. Mais j'essaierai quand même d'en parler à mon père ce week-end. Ok. Tu lui en parles, si tu refuses, tu viens me voir, je t'aiderai. Monsieur, merci. Voilà. Oui, merci d'avoir. Non, de rien. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir, monsieur. Ah. Le peintre là, il est excellent. Oui, c'est bien fait tout ça. Mmh. Ouais, la cour a une peau neuve. Oui, voilà. Oui, oui. Ça tombe bien. Mmh. J'ai dit, oh, mmh. Pourquoi tu n'as pas peinturé dans les WC? On ne dit pas peinturé, on dit peint. Et peinture, peinture. J'ai dit pourquoi tu n'as pas mis peinture dans les WC, mais. Quand tu vas me donner mes 4 mois de loyer que tu me dois là, j'ai mes peintures comme tu le veux. Justement, c'est parce que les WC sont sales qu'on ne paye pas. Ah, toi, la femme là, tu as bouché. Tu as bouché. Tu dois 4 mois de loyer. Tu payes pas. Et puis c'est toi qui as toujours de quoi me dire. Quelle bonne maison même. Faut maison qu'on ne peut pas respirer dedans là. Faut quitter. Fais-moi sortir si tu es garçon. Fais-moi sortir. Sortir. Ça demande quoi? Ça demande quel effort? Et puis laisse-moi te dire, tu penses que ce que tu fais un mari des autres, là, on va pas. Moi, je vois. Moi là, je tu vois. Tu n'as pas honte. Parce que tu veux de moi, j'ai dit je veux pas là. Quoi ça, tu fais ça, tu n'as pas honte. Hey, ça n'a rien à voir dedans. Hein? Hein? Je vais te faire partir où? Toi, la fille là, je vais te faire partir. Est-ce que tu me connais? Compte avec moi. Hein? Toi et moi là, on est à couteau tiré. Oui. Vous tous, vous allez avoir des problèmes avec moi. Hein? Vous tous, vous allez avoir des problèmes. Hey, ça veut dire quoi ça? Ah, oui. Oui, oui. Pourquoi tu comme ça, tout fâché comme ça? Mais je vais chez moi à la maison. C'est pas ta célibataire là qui vient de m'énerver. Elle dit pourquoi j'ai pas mis la peinture dans la douche? Pourquoi? Ah, tu as peint toute la cour. Oui. Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas peint la douche et puis la cuisine? Mais c'est là où mes moyens sont arrivés que je suis arrêté. Elle a donc raison de te parler comme ça. Quelle raison est là? Elle me doit 4 mois de loyer. Hein? Et toi-même, tu me dois 3 mois? Non, non, non. 3 mois? Gabi, ça suffit. Ça suffit comment? C'est pas ça, tu as gâté mon nom dans la rue. Mais tu veux que je parle de ça? Mais c'est toi-même que je vais payer ta maison. Paye maintenant. Dans ce mois-là. Paye maintenant. Bonjour. Moi, c'est Jean-Jacques. Et toi? Je te trouve très séduisante et très belle d'ailleurs. Ça te dirait d'être ma copine? Aussi facilement. Il s'agit de quoi là? Ta copine? Tu rêves ou quoi? Mais descends de ton nuage, vite fait. Comment je peux sortir avec un type comme toi? Tu t'es regardé au fait? Écoute, tu habites quel quartier au fait? Mon quartier vient chercher quoi ici? Tu sais, de temps en temps, je pourrais aller te rendre une visite tout à fait amicale. C'est ça, des visites amicales. Je suis désolée, je suis à Bobo derrière Rai. Elle habite à Bobo derrière Rai. Qu'est-ce qui est drôle? Oh, il n'y a rien de drôle. Tu sais, moi, j'habite Cocody Rivera Golf. Je m'en fous. Demain, quel est ton programme? Mais comme tous les week-ends, j'ai rendez-vous avec mon petit ami. Pourquoi? Bon, demain, je t'invite à l'Ivoire à 16h. Ça te tente?
Arriver à l'Ivoire comment? Non, tu... Je paye le taxi comment, au fait? Ça, c'est un petit problème. Je serai là pour régler ça. Est-ce que tu sais? Écoute, mademoiselle. C'est toujours le mois prochain, Les mêmes leçons toujours. Je sais pourquoi tu es fâché. C'est parce que notre voisine t'a refusé. Puis tu veux mettre tout ça sur moi. Ça, c'est une ancienne affaire. Comment une ancienne affaire? Mais toi, moi, je te croyais intelligent. Tu es trop bête. Moi? Tu es trop bête. Ne m'insulte pas. Tu es trop bête. Oh, tu es trop bête. Gabi! Ouais. Non, je vais régler ça. Avec la voisine, je vais régler. Sauveille-toi-même. Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Je pars dans la boutique. Quelle boutique? Où est la fille là? Je ne sais pas ce que je peux faire pour te changer. Allez, passe là. Passe ici! Passe là! Regarde-moi ça. Mariam! Mariam! Non! Mais où elle est? Où va? Je n'aime pas ça. Regarde ta chose là. Elle est en train de sortir. Tu ne peux pas prendre une corde pour l'attacher? Hé! Hey, Bintou! Il t'est malouin! Promener, manger, dormir! C'est sa nouvelle société qu'elle a créée. Promador! Promener, manger, dormir. C'est ça? Je sais que tu es pour quelque chose. Oufa. Si, 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 si. Vous deux là, on va voir tout ça ici. On va régler ça un jour. Oufa. C'est bon. Oufa, oufa. Je lui parle. Mais dans tes oreilles là, il y a plomb. Il y a plomb. Mmh. Mais je vais mettre du feu. Je vais mettre du feu pour fondre ça. On va voir ça. Papa, toi. Papa. Et, voilà. Je t'ai pas encore lavé là. Oui. Viens, viens. J'arrive de là. Toi aussi. Repose un peu ta tête et profite du week-end, ma chérie. Moi aussi, quoi. Est-ce que moi, je t'ai demandé de venir étudier avec moi? Papy, là, ça ne fuit pas. En tout cas, toi seulement, ça va te fuir parce que tu passes tout ton temps à t'amuser. Nafi, je ne m'amuse pas. J'ai besoin de reposer un peu mon corps. D'accord? Allez, viens plutôt me parler de ton Hervé. Tout à l'heure, quand j'aurai fini de réviser. Allez, viens, arrête ça. On a tout le temps là. Viens t'asseoir. Toi la fille, je peux rien te refuser. Alors, tu me disais que vous vous êtes revus dans un cyber. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais très surprise d'abord de le voir dans le cyber. Mm-hmm. Tu as vu ça? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il t'aimait toujours? Oui, et même que jusque-là, aucune fille n'a franchi la porte de son cœur. Et toi, tu l'aimes toujours? Je ne sais pas. Mais j'avoue que ça m'a fait énormément de bien de le revoir. Mon cœur a recommencé à battre. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer. Tu as vu, c'est tout ce que je t'ai demandé. Juste un peu de joie dans ton cœur. Arrête, Rachel, tu aimes trop ça. Arrête. Oui, allô. Mon petit cœur, c'est Bintou. Oui. Ah, aujourd'hui, là, il ne peut pas sortir des... Mon père est là. Il est dans tous ses états. Hein? Je te dis que je ne peux pas. Actuellement, il est assis au dehors avec un fouet. Oui. Ah, toi aussi. Essaie de me comprendre. Bon, on peut se voir demain. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, à demain, alors. Allez, je t'aime beaucoup. Allez, je t'aime. Oui, je t'aime. Bintou. Je t'aime, je t'aime. Hé! Hey, les blancs vous ont gâté des... Tu connais le diplôme de je t'aime? C'est grossesse. Tu vas voir ce que c'est que la douleur. Cafri! Mais où est le problème? J'aime mon cas. Et quoi, mon? Non. Tu as intérêt. Mariam. Non. Awa. Awa. Gotum. Non. Venez avec vos tabourets. Tu fais quoi là-bas?
bien. J'ai beaucoup réfléchi. Et je pense qu'il est grand temps que vous vous organisez. C'est pour cela que je vais vous remettre de l'argent. Pour que vous preniez des places au marché. Mfa, merci. Merci, Mfa. Mais attention, les bénéfices doivent servir à gérer toute la famille. Mais c'est ce qu'on a toujours fait. Mais je vous remettrai cet argent dès demain. Mfa. Dès demain. Que Dieu te garde longtemps pour que tu puisses veiller sur cette famille. Je remercie Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Tu apportes ma nourriture. Où est mon manger? Hein? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Tu n'as pas laissé l'argent du marché. Hein? Attendez-moi. Attendez-moi, j'arrive. Qui va t'attendre? Ah. Mmh. Où est-ce? Où est-ce? Madame! Prosum! Awa! Mais où est-ce? On va voir. On va voir! On va voir qui est chef de famille ici. Il y a Claude qui m'attend. Mais tu ne peux pas sortir comme ça. Demande la permission à ta mère avant de partir. Mais tu sais très bien qu'elle va refuser. Mais dans ce cas, tu ne sors pas. S'il te plaît, couvre-moi. Ah. Mais je lui dis quoi? Bon, raconte une histoire. Dis-lui par exemple que je suis allée chercher un livre de Mathieu. Mais je ne peux pas. Mais tu me mets toujours dans des situations inconfortables. S'il te plaît, pour une fois, couvre-moi. Je te couvre tout le temps. Rachel, tu vas où comme ça? J'allais chez une copine prendre un livre de Mathieu. Quel livre à cette heure-ci? Pour aller chercher un livre, tu as besoin de t'habiller comme ça? Regarde ma fille, elle ne sort pratiquement pas. Je pense que si tu l'as prise pour ta meilleure amie, c'est juste pour que tu changes un peu. Rachel, ton père nous a abandonnés. Je suis seule responsable de toi. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Pense au bac, ma chérie. Les garçons, ça ne court pas. Fais-moi plaisir, va te changer. Je t'en prie, va te changer. Ma fille, maman, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Allô, Claude? Écoute, je ne pourrai plus sortir. Non, c'est maman. Elle m'a interdit de sortir. Oh, te fâche pas. On se rattrapera la prochaine fois. Moi aussi, je t'aime. Bisous, bonne nuit. Bonjour, Wadi. Bonjour. Viens dormir. Hé, hé, toi là. Allez, sœur. Tu soulèves la poussière. Tu viens de te réveiller. Non, papa. Si, si. C'est maintenant que tu balais. C'est que tu viens de te réveiller. Si c'est pour aller chercher garçon matin, là, tu te lèves la première et puis, paf, tu es là-bas. Un peu seulement, tu es dehors. Fais quelque chose pour changer un peu, pour te corriger. Qui est devant moi là? Mba, Anisoma, dans la Tout-Puissante te donne la force de nous élever. Mba, Anisoma, que Dieu Tout-Puissant te garde longtemps auprès de nous et qu'il te donne la force de surveiller nos enfants. Qu'il te donne plutôt assez de force pour surveiller ta fille, à mieux l'éduquer. Quel change de comportement? Tu me comprends? Je vais vous chasser. Si vous ne changez pas, vous ne faites rien pour changer, je vais vous chasser toutes les deux. Tu as bien compris?
Awa, tu as me fait un bon cabato aujourd'hui là. Parce que vraiment, je vais manger léger. Bah, c'est pas mon tour aujourd'hui. Mais c'est ton tour. Ah ouais, mais tu sais pas compter les jours. Aujourd'hui, c'est chez toi. C'est ton tour. D'accord, j'ai compris. J'ai fait ça. D'accord, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand c'est ton tour là, toute la cour doit être formée. Hey, hein? C'est mon tour que tu veux prendre. J'ai fait quoi ton tour? C'est mon tour, tu veux. Faut prendre. Si c'est encore mon tour là, faut prendre. C'est bon, c'est bon. Amen. C'est mon tour, c'est mon tour. Faut donner l'argent du loyer avant d'aller au travail. C'est toi qui payes ma maison tous les jours. C'est toi qui payes ma maison. J'ai dit ici, dans cette cour, qu'il faut que chacun assume sa responsabilité. Vous, vous trouvez de quoi manger à vos enfants, à nous tous, et moi je paye la maison. C'est entré ici. Ouais, Aziz. Aziz. Tu vas pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu te tresses maintenant. Papa, c'est mon style d'artiste. Ah. Oh. D'accord, d'accord, d'accord. Et ma moto? C'est chez Issa. Je suis passé là-bas hier. Il a donné ça à son petit apprenti là. Je lui ai dit que tu n'aimes pas ça. Hein. Et c'est Issa là, il te connaît même. Oh. Aziz. Oui, papa. Je te donne 2 jours. Seulement 2 jours pour que tu ramènes ma moto ici. Ah, papa, il fait quoi une moto là? C'est Issa. Alors, comme ça, tu veux être artiste. Oui, papa. Tu ne vois pas les drogba là. Quand on parle d'eux, tu es content, non? Et toi, c'est la musique que tu veux faire. Et tu connais rien. Tu te tresses comme une femme. Papa, c'est mon style d'artiste. Je n'aime pas ça. C'est une affaire qu'on va régler après. Eh, Klotoum, mon sac est là-bas? Non. Awa? Non. Mon sac est là-bas? Je n'ai pas dormi. Oh. Enfin, Mariam. Mariam. Non, qui t'a sac de Oh, mon Dieu. Oh, va.